Nous sommes à quelques jours, André Martin, le président de l'hippodrome du Lyon-d'Angers, à quelques jours d'une réunion très spécifique qui va se passer ici sur le site du Lille-Briand en prévision des Jeux Olympiques. Alors, j'ai cru comprendre que la flamme olympique allait passer ici. Expliquez-nous tout. Oui, on sera, je pense, le seul hippodrome de France traversé par la flamme olympique. Grâce au département de Maine-et-Loire, nous aurons le plaisir de voir arriver cette flamme et elle traversera l'intégralité de l'hippodrome avec un cavalier local, Nicolas Touzin, évidemment. Ah, le champion ! Le champion local qui viendra porter cette flamme du cœur de la ville du Lyon-d'Angers vers les installations du haras de Lille-Briand. Et ça, c'est quelle date la traversée ? Ce sera le 28 mai exactement. D'accord. Mais en amont, dès le 7 avril, grâce à la réunion hippique que nous accueillerons, nous allons tout mettre en jeu sur le thème du jeu, des Jeux Olympiques, du jeu PMU bien évidemment, mais également du jeu pour offrir aux enfants un espèce game géant afin de préparer dans la bonne humeur l'arrivée de cette flamme olympique. Ce sera la première fois qu'il y a un escape game sur un hippodrome, en tout cas sur celui de Lyon-d'Angers. Hein, ouais. Je pense que cet espace jeu en effet sera singulier, on en trouve peu sur nos hippodromes et je pense que si on veut faire revenir toutes les familles avec leurs enfants et les occuper entre deux courses, il faut forcément prendre ce type d'initiative. Donc 7 avril, Escape Game Géant. Rappelons, Escape Game Géant, ça c'est quand même le moment fort. Vous savez que c'est quelque chose qui est très à la mode. Et puis alors, dans les forêts et tout ça, nous, quand on était petits, on allait faire des Escape Games à nous-mêmes dans les forêts. C'est absolument réjouissant. En plus, tout ça est extrêmement sécurisé. Et en plus de ça, des jeux pour les enfants ailleurs. Des jeux pour les enfants, voilà, jeux électroniques, jeux vidéo. Et puis, évidemment, des initiations aux jeux pour les parieurs. En partenariat avec le PMU qui sera présent sur l'hippodrome pour former tout simplement les nouveaux parieurs. Ah ben voilà, faut venir tous en famille, bien sûr, le 7 avril sur l'hippodrome Lyon-d'Angers. Et le 28 mai, c'est bien ça. On sera là pour accueillir la flamme olympique et Nicolas Touzin qui la portera. Et c'est ouvert au public, tout le monde peut venir voir Nicolas Touzin, bien sûr. Bien évidemment, il sera ravi, je pense, de rencontrer un public nombreux sur l'hippodrome. Ah ben on y sera évidemment. Ciao.